Excusez. Où est mon petit monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est parce que je suis venu voir vos cabanons, là. Tu veux dire nos niches? Non, les cabanons, là, pour mettre ta tondeuse, ton barbecue, ta barouette, ton boyau de backwash. Il y a un cabanon. C'est parce que c'est pas un magasin de cabanons ici, là. Mais non. c'est un magasin spécialisé dans les niches à chiens. Hein? Là, c'est l'affiche d'or, c'est écrit en gros, là. Gaston Vachon, le king du cabanon. Ah, ça, c'est une vieille affiche, là, gars. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de cabanon ici. Là. Il y a eu comme une restructuration de l'entreprise. Là, puis qu'est-ce que tu veux? T'sais, c'est la récession, man. Hein? On a downsized un petit peu nos activités. Là. On passait du cabanon aux niches. Hey, moi, je viens de faire 2 heures de route pour venir ici. Là, dans votre annonce d'un page jaune, là, c'était écrit, vous aviez les plus beaux cabanons de l'univers. C'est chez Gaston Vachon, le king du cabanon. Qu'est-ce que c'est ça? Regarde, je compétis avec toi. Là, mais tu sais, tant qu'à être ici, là, check les niches, man. Check les niches. Elles sont sharp, elles sont sharp. Ça fait là, check les niches. Je veux pas checker les niches. Moi, j'ai même pas de chien. Ah, c'est un détail, ça. Il même pas de chien. Voyons, non. C'est parce qu'on ne comprend pas, là. Il y a de la méchante belle niche ici, là. Ouvre tes canailles, là. Regarde ça. Ils sont belles. Hey, gars, j'en veux pas de niche, là. Moi, j'ai besoin d'un cabanon. Mettrai pas ma tondeuse d'une niche à chien, chose. Ben, why not? Voyons, là, on a toutes les 16, là. Regarde, tu pognes une niche pour grand danois, là. Il y a de la place en masse pour parker une tondeuse puis une barouette. Hey, on est en récession, man. Là. Ça te reviendrait pas mal moins cher qu'un petit cabanon, ça. Hey, think about it, man. Think about it. Ah ouais, ça se fait, ça, mais mettre ta tondeuse d'une niche à chien, il y a du monde qui font ça. Ben, certain que ça se fait. Regarde, check celle-là, là, la Doghouse Premium Vintage Edition de luxe, là. Hey, c'est de la maudite belle niche, ça, mon ami, là. On commence à parler de quelque chose de spacieux, là. Hein? Extérieur en bardeau de cèdre, intérieur en merisier. Hey, ta tondeuse, serais-tu contente de dormir là-dedans, d'après toi, hein? Mets-toi à la place de ta tondeuse 2 minutes, là. Fais 1 heure, tu coupes la pelouse, là. T'as coupé de la pelouse, t'es tout traqué, là. Tu veux te reposer? Hey, mais imagine comment elle se ressentirait là-dedans, là. Think about it, man. Think about it. OK, mais c'est quand même un petit peu bizarre, là. Tu sais, je veux dire, c'est-tu commun, ça, du monde qui achète des niches pour parker leur tondeuse dedans? Ah, voyons donc, c'est gars. Elle est vendue 4 dans ton matin. C'est tout en plein site, là. Bon, là, c'est tranquille parce que c'est l'heure du lunch, là. Là, gars, écoute, là, c'est la récession, man. Pour s'ajuster, là, le marché du cabanon, là, c'est fini, ça. Le monde ne veut plus rien savoir des cabanons, là. Le monde, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est une grosse crise de niche. OK, mais... Ben, combien, là, la Doghouse Premium Vintage Edition, là, c'est cher, ça? T'as-tu une carte de crédit? Ah ouais? Ben, y'en a pas de problème, là! T'as l'air d'un gars sérieux, là. Va t'organiser quelque chose, là. Hey, regarde, dis-toi qu'aujourd'hui, là, t'achètes pas une niche, là. Tu rends une tondeuse heureuse. Regarde. Viens t'asseoir dans mon bureau, là. Je vais te montrer la palette de couleurs, là. Tu vas tomber en votre culotte. Ça va te dire, tu vas gavater. OK. Tu as du café? OK. Tu vois, le café est assez bon ici.